Maurice Corso a fini l'École nationale de l'humour en 2015, puis cet été, au Zoufest, a fait une comédie musicale. Rosalie Vaillancourt, salut! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien. Est-ce que t'es contente que le Zoufest commence? Oui! Oui, t'es contente? Est-ce que c'est comme ton plus beau moment de l'année? Ben, je sais pas, je l'ai pas encore faite, là, mais j'ai comme l'impression que ça va être ça. Okay. On t'a fait un petit décor personnalisé, comme on fait à tous nos invités dans nos capsules. On a mis des belles photos de toi. Ouais. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ok, mais c'est vraiment dégueulasse. Ok, je faisais un show pour l'environnement. J'étais déguisée en gomme, trident, kamikaze, ok, qui voulait comme... Ça fait sauter, genre? Ouais, c'est ça. Bien. Yeah. C'était politique. C'était un texte politique. J'avais un accent allemand tout le long. J'étais comme « Moi, c'est une petite gomme trident! » Si on parle de ton spectacle au Zoufest, là, comédie musicale, tu vas chanter, ouais. Tu vas danser. Mm-hmm. Est-ce que c'est des trucs que tu es à l'aise de faire? Ben, non. Moi, c'est quoi les chansons que dans la comédie musicale? C'est des trucs que toi, t'as écrit? C'est des chansons humoristiques? Non, en fait, ben, c'est des chansons qu'on a écrites, moi, J.S. Hull, tu sais, qui a fait une toune par jour, puis Mathieu Bouillon, qui fait des tounes sur Internet assez drôles. Puis on a écrit ça ensemble, tu sais, on est arrivé devant le piano, ça nous a pris, je pense, une journée tout composé. On t'a fait remplir un petit questionnaire juste avant. Oui. Puis on t'a dit si on t'offrait un 15 secondes de gloire dans une capsule web. J'ai répondu la réponse la plus merveilleuse au monde, et c'était twerker sur une chanson de la Bolduc. Oui. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir réaliser ça. Je veux juste. Là, faut que je twerk, là. Je peux twerker aussi. Le temps est bien dur, il faut pas se décourager. Ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien le faire. Ça va venir, ça va venir. Est-ce que tu réalises ton ennemi? Moi, ça fait twerker aussi. Tu fais twerker. Québécois, c'est ton chien, ta meilleure amie? Oui. Est-ce que tu te confies beaucoup à elle? Ben, j'y parle de rien, tu sais, parce que c'est un chien, fait qu'elle peut pas comprendre, mais, tu sais, on est vraiment proches quand même, là, sauf que là, elle sent fucking le cul. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les convaincre de venir voir ta comédie musicale, mettons, en 5 secondes, un petit peu plus, là, en fixant la caméra, là, la meilleure raison pourquoi on doit aller voir Rosalie Vaillancourt, la comédie musicale? Ben, parce que c'est vraiment le plus drôle des spectacles. Est-ce que c'est correct? Oui, bien, merci beaucoup, Rosalie, d'être venue aujourd'hui. Je te souhaite de passer un très beau festival. Si vous voulez aller voir Rosalie Vaillancourt, la comédie musicale, les billets, c'est au zoofest.com. Toutes les informations sont là. Ça vaut la peine. On aime ça. On a hâte de voir. Oui. Yes.